Les Esséniens sont une tradition ancestrale qui est très très ancienne, beaucoup plus ancienne que ce qu'on s'imagine. On fait souvent référence aux Esséniens par rapport aux manuscrits qui ont été retrouvés à la Mer Morte, à Qumran, qui parlent des communautés esséniennes qui vivaient dans les alentours de l'époque du Maître Jésus en Palestine. Mais en réalité, très peu de personnes connaissent la véritable histoire de cette tradition, car la tradition essénienne est beaucoup plus ancienne que les manuscrits de Qumran, et elle a continué à vivre à travers les âges. Cette tradition essénienne, c'est une tradition d'âme, une tradition immortelle. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de la tradition essénienne depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo et de vous expliquer, de vous parler de l'histoire de cette tradition immortelle, il faut comprendre la signification du mot essénien. Essénien, c'est constitué de deux parties. La première, essé, qui signifie l'être, le je, c'est-à-dire le divin, la connaissance, le divin, l'existence. Essé, dans un ancien langage, esh, ça signifie le feu. Le feu, c'est l'être, le divin. Et nien, c'est la connaissance. On entend la même consonance dans la gnose, la connaissance. Donc, le mot essénien, dans son étymologie et dans sa signification première, primordiale, il signifie la connaissance de l'être, la connaissance du divin, la connaissance de l'être véritable que tu es, la connaissance de la divinité que tu es à l'intérieur de toi, mais la connaissance du divin en toi et en toute chose, la connaissance du divin dans l'arbre, dans la plante, dans la pierre, dans le soleil, en toute chose. Le mot essénien signifie connaissance de l'être, connaissance du divin. L'origine de la tradition essénienne remonte aux confins de l'humanité, en fait à la création de l'humanité. Le premier essénien, le premier maître et prêtre essénien est Enoch. Enoch, dans cette tradition de la lumière, il est historiquement le septième fils de la lignée de Adam et de Ève. Adam et Ève, c'est l'humanité primordiale. C'est cette première humanité qui vivait avec Dieu dans le jardin de la lumière et qui était dans une communion parfaite. Mais pour un désir et une soif d'existence, cette humanité de Adam et de Ève, qui ne signifie pas Adam et Ève, un homme et une femme en particulier, mais en fait Adam et Ève, c'est la première humanité dans son ensemble. Adam étant le principe de l'esprit, de l'être véritable, et Ève étant le principe de l'âme, c'est-à-dire de la force animatrice. Cette humanité première a voulu faire l'expérience de goûter la vie, de goûter l'existence en dehors de Dieu, c'est-à-dire dans le monde matériel. Et c'est ce qui a entraîné sa chute. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu une chute de l'humanité et que Adam et Ève ont été tentés par la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le fait de vouloir exister dans un monde séparé de Dieu. De cette chute est apparu des mondes et des mondes, parce que après avoir chuté, Adam s'est uni à l'archange Lucifer, et de cette union est apparu Abel, et Ève s'est unie à Satan et est apparu Caïn. Et dans l'histoire de la tradition, on dit que Caïn, donc le côté satanique, le côté matérialiste, a tué Abel, le côté subtil, spirituel, le côté des mondes invisibles. C'est une façon de parler qu'ont utilisé les anciens pour décrire des processus universels qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Pour bien comprendre Caïn, Abel, Satan et Lucifer, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un lien vers une vidéo où je parle de ces deux principes de Satan et Lucifer. Après que Adam et Ève aient engendré Caïn et Abel, et qu'il se soit passé, en fin de compte, qu'il y ait eu cette histoire que Caïn, le côté matérialiste, ait tué Abel, Adam et Ève, l'humanité originelle, se sont de nouveau réunis
et ils ont engendré Seth. Ensuite, il y a eu plusieurs fils, plusieurs générations, jusqu'à arriver à Enoch. Enoch, c'est le septième fils de Adam et Ève. C'est la septième génération qui a été engendrée de cette humanité originelle qui a chuté. Et il est dit que Enoch a plu à Dieu. Enoch a dressé des pierres et il a invoqué l'Éternel et l'Éternel a répondu à ses prières. Enoch a été le premier être humain après la chute de l'humanité. Donc on parle de temps très très ancien, d'humanités précédentes qui ont existé. On n'a aucun souvenir de tout ça, aucune mémoire de tout ça, mais c'est vraiment l'histoire de l'évolution de l'humanité. Donc Enoch, parce qu'il portait cela à l'intérieur de lui, il avait cette mission, il a été le premier prêtre, le premier maître, le premier à recevoir le savoir de nouveau, le savoir de retisser une alliance consciente avec les sept règnes de la création, c'est-à-dire avec les pierres, les plantes, les animaux, avec les hommes, les archanges, les anges, les archanges et les dieux. En fait, il a retissé le lien avec le monde de la lumière. Et dans notre tradition à nous, les Esséniens, nous disons que Enoch est le premier à s'être redressé de la chute et qu'il est le premier maître essénien, le premier initié, le premier sage. Et que de lui sont nés tous les initiés, tous les sages, toutes les traditions, les civilisations et les religions de la lumière. Enoch a donc donné naissance à la tradition essénienne, qu'on appelle aussi la tradition de la lumière ou la tradition des fils et des filles du soleil. Cette tradition, elle est très très ancienne. C'est, on va dire, l'origine de toutes les grandes cultures, de toutes les traditions, les religions, les civilisations qui ont eu un lien vivant, conscient, avec Dieu. Il faut bien comprendre que cette tradition, elle n'est pas liée à une époque en particulier. L'humanité est beaucoup plus ancienne que ce qu'on s'imagine, et à travers les âges, elle a connu de nombreuses mutations. Quand je vous parle de Enoch, ça remonte à une humanité très lointaine. Il y a eu plusieurs civilisations entre Enoch et notre époque qui sont apparues et qui ont disparu. Mais c'est plus que des civilisations, c'est-à-dire ce sont des cycles d'évolution de l'humanité. Par exemple, on parle de la Lémurie, de l'Atlantide, et aujourd'hui de notre époque, l'Atlantide, la Lémurie sont des anciens âges, des anciens éons, des anciennes époques, cycles d'évolution de l'humanité, où les humains étaient totalement différents de ce que nous sommes aujourd'hui, et qu'à travers les âges, il y a une évolution, une transformation de l'être humain qui est guidée par une intelligence supérieure, ce que tous les êtres ont appelé Dieu. Et c'est cette tradition de la lumière, cette tradition essénienne, qui pour nous, essénien, est un mot totalement universel, qui n'est vraiment pas lié à une époque, à un moment, mais qui est lié à une intelligence supérieure. Ce qui caractérise cette tradition essénienne et les initiés, les sages, les maîtres esséniens qui ont existé à toutes les époques, c'est d'avoir une alliance avec à la fois les règnes supérieurs de la lumière, c'est-à-dire les règnes supérieurs de ce qu'on a appelé le Père, et les règnes de la mer, c'est-à-dire les règnes de la terre, comme les pierres, les plantes, les animaux, les esprits de la nature. De tout temps, à toutes les époques, les maîtres, que ce soit des hommes ou des femmes, les initiés, que ce soit des hommes ou des femmes, les sages, que ce soit des hommes ou des femmes, je précise parce que bien souvent on met l'accent sur le côté masculin, mais il y a eu des deux principes, vous voyez, ce n'est pas lié au sexe, c'est lié à l'âme, en fin de compte, à une filiation de l'âme, de la lumière. Donc, à toutes les époques, il y a eu des êtres qui ont incarné ce mystère, des êtres qui ont été formés et qui ont reçu, en fait, à chaque fois, ce savoir et cette filiation dont Enoch est le dépositaire et dont Enoch est le gardien. Parce que
après son départ, Enoch est comme il est devenu un être universel. Il s'est imprimé partout, dans la mémoire tout entière de la Terre. Et à chaque fois qu'il y a un fils de la lumière qui vient, il récupère une partie ou la totalité de cette mémoire, ce qui lui permet de retrouver le lien avec les règnes de la lumière de l'éternité, c'est-à-dire le monde des anges, des archanges et des dieux, et à retisser un lien vivant avec les règnes de la mer. Le but de cette tradition, de cette filiation de lumière, étant de permettre à l'humanité de continuer son chemin d'évolution, son chemin de transformation, pour retrouver le monde de l'esprit, le monde de l'éternité, et pour entrer dans un règne supérieur, retourner vers la source éternelle, immortelle, originelle, de laquelle tous les êtres viennent. Donc, après Enoch, il y a eu de nombreux sages, de nombreux maîtres, de nombreux initiés. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, des civilisations comme la Lémurie, l'Atlantide. L'Atlantide étant la dernière civilisation, la dernière humanité avant la nôtre. Donc maintenant, je vais essayer de vous partager un peu, après cette époque, on va dire, entre l'Atlantide et jusqu'à nos jours, comment la tradition essénienne s'est perpétuée. Je vais vous donner quelques noms, mais pas la totalité, parce qu'en réalité, il y a des êtres qui ont été pas du tout connus, dont on a totalement perdu la mémoire. Et bien sûr, il y a des êtres qui ont été plus connus, comme par exemple Jésus. Aujourd'hui, on a la mémoire de cet être, parce que c'est quand même assez récent. Mais il y a des êtres qui ont marché, qui ont porté la lumière, qui n'ont pas forcément été inscrits dans la mémoire qui reste aujourd'hui de l'humanité. Historiquement, la Bible parle de la chute de l'Atlantide sous le terme du déluge et de l'histoire de l'Arche de Noé. Noé était un initié atlante et il y avait des cercles d'initiés à cette époque-là. Et il était vraiment à cette époque où l'Atlantide avait totalement dégénéré et où ils avaient utilisé tout le savoir divin pour faire apparaître une vie totalement matérialiste et dans une technologie très avancée mais tournée vers le corps et vers un monde totalement matérialiste et satanique. Et donc, il y allait avoir une grande destruction provoquée par cette humanité dégénérée. Et les initiés le savaient. Donc, ils ont comme protégé, on appelait ça l'Arche de Noé, qui en était l'Arche d'Alliance, qui était pour protéger l'alliance avec les sept reines de la création. Donc, pas uniquement, comme ça a été dit, les animaux, les plantes, les pierres et tous les êtres de la mer, mais vraiment les sept règnes de la création. Noé et le cercle d'initiés qui était avec lui ont protégé cette alliance de façon à ce que, après ce déluge, puisse continuer cette lumière, cette tradition, cette filiation divine. Après le déluge, les initiés qui avaient survécu se sont dispersés à travers différentes parties du monde. Il y en a, par exemple, qui sont allés en Amérique centrale, ça a formé la civilisation des Mayas. En Amérique du Sud, la civilisation des Incas et beaucoup d'autres civilisations qui ont existé. Certains sont allés en Égypte, et c'est ça qui a formé la civilisation égyptienne. D'autres sont allés en Inde, en Chine. Et aux quatre coins du monde, il y a eu des traditions qui étaient émanées, donc qui étaient de source essénienne, de la tradition de la lumière. Cette tradition de la lumière s'est donc transmise à travers les âges, à travers de nombreux maîtres, de nombreux sages et envoyés de la lumière qui sans cesse sont revenus pour réactiver le lien avec Dieu et éduquer, enseigner, permettre à l'humanité et à la Terre entière d'avoir un accès vivant, d'avoir une alliance avec le monde divin. Durant ces 8000 dernières années, on a eu de nombreux maîtres, notamment Rama, qui était un fils du soleil, un fils de la lumière, qui était dans le pays celte et qui ensuite est parti vers l'Inde. Il y a eu toute une lignée de pharaons fils du soleil. Il y a eu Krishna, Phoï, Zoroastre, Hermestote, Akhenaton, Moïse, Orphée, Élie, Numa, Pythagore. Il y a eu le Bouddha, Lao Tzu, Platon. Il y a eu Kuan Yin, Saint Jean le Baptiste, Jésus. Il y a eu Saint Jean l'Évangéliste, Marie-Madeleine. Après l'époque de Jésus, il y a eu Mani, Mahomet, Tara, Padmasambhava,
À certaines époques, cela a été aussi d'une façon collective, comme avec le peuple des Bogomiles, avec les Templiers, les Cathares, puis ensuite Christian Rose-Croix. Et plus récemment, au XVIIIe et XIXe siècle, on a le maître Peter de Nove, puis un de ses disciples, qui est devenu maître, le maître Omram Mikhail Ivanov, puis Olivier Manitara, qui a reçu cette succession des Fils du Soleil de la part de Omram Mikhail Ivanov, qui est devenu lui-même un Fils du Soleil et qui a eu pour mission de poser les bases de la renaissance de cette tradition de la lumière sous la forme de la nation essénienne et de la ronde des archanges, des villages esséniens, de tout ce que le monde divin a demandé à Olivier Manitara de réaliser. Peu avant son départ, en juin 2020, Olivier Manitara avait transmis son initiation, avait transmis sa filiation à un cercle de disciples, un cercle d'initiés qui s'appelle la confrérie des Manitara. Cette confrérie qui a reçu la transmission directe d'un maître, d'un fils du soleil, est aujourd'hui la gardienne de cette alliance que la nation essénienne, que la tradition de la lumière a avec le monde divin, et elle est aussi la garante de perpétuer cette œuvre, de la faire grandir et de préparer à l'avènement d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle culture, d'un nouveau monde. Bien sûr, je vous ai cité certains maîtres, certains qui ont été connus et dont on a encore la mémoire, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a qui ont été beaucoup moins connus, mais qui ont incarné la lumière. Notamment, il y a eu à l'époque des Celtes, il y a eu toute la lignée des Druides, il y a eu beaucoup de sages, il y a eu les Amérindiens, beaucoup de sages dans les peuples amérindiens. À toutes les époques, il y a eu des sages, il y a eu des êtres qui ont porté cette tradition de la lumière, cette tradition de l'esprit, qui sans cesse veut conduire l'humanité à incarner les valeurs du monde divin, c'est-à-dire à connaître les vertus, à vivre avec les vertus, à connaître les grandes lois de l'univers, les grandes lois de la vie, et à vivre avec la loi, à incarner cette loi divine, de façon à permettre à tous les êtres d'avoir accès à la lumière. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque particulière où la mission de cette tradition de la lumière, cette tradition essénienne, c'est de former un socle et une base solide dans lesquels va pouvoir être gardée la mémoire d'une alliance avec le monde divin et d'un savoir divin, de façon à entrer dans une nouvelle époque, dans une nouvelle culture, en fait, à donner naissance à une nouvelle humanité. Mais nous sommes dans une époque de transition et aujourd'hui, il y a aussi une autre intelligence qu'on appelle l'intelligence technologique qui veut conduire l'humanité vers un autre avenir qui n'est pas celui de la lumière, mais qui est celui de vivre quelque part en esclavage du monde matérialiste, c'est-à-dire de vivre uniquement comme des matérialistes sans âme. Donc dans tout ça, la tradition essénienne, à toutes les époques, elle a toujours été le courant, la tradition, la filiation qui apporte l'éducation des mystères et qui permet à l'homme de retrouver le lien avec son âme et avec son être éternel, véritable, immortel. Comme je vous le disais, essénien, c'est la connaissance de l'être divin que tu es éternellement.